très différente de Genève, la cité de Calvin, sa voisine, le vieux Carouge, séduit par son harmonie architecturale et par la présence, comme autrefois, d'artistes et d'artisans qui lui confèrent une ambiance de village très particulière. Découvrons avec Diana Loredan l'esprit de Carouge où l'on vient toujours se dépayser et se distraire. Carouge est une des 45 communes de Genève. Carouge est une commune, mais une commune très spéciale, parce qu'elle est née de la volonté d'un roi, donc c'était une cité royale, et donc par la volonté du roi de Piémont-Sardaigne, Victor Amédée III. Il a dit, on n'a jamais pu conquérir Genève, ben on va fonder une ville qui va être encore plus grande, florissante que Genève et va profiter des retombées de sa puissante voisine. C'est avec la fondation justement de Carouge par Victor Amédée III qui commence déjà cette différence entre Genève et Carouge. Carouge, cité royale, catholique, méditerranéenne, et Genève, république, austère, protestante. Donc voilà, du fait que même les protestants, pendant longtemps, sont venus à Carouge pour se divertir. Carouge a été aussi, architecturalement parlant, construit par des architectes de Turin avec l'idée de fonder une ville-jardin. Les maisons, justement avec un étage, c'était l'atelier de l'artisan. Donc on entrait dans l'atelier, il y avait une petite cuisine derrière et derrière la cour, justement. Une cour qui n'était pas une cour maintenant un joli jardin, une jolie cour, mais c'était une cour d'utilité. Hein. Donc il y avait le potager, il y avait les animaux, le ferblantier qui avait ses outils. Et à l'étage, donc il y avait un étage qui était l'habitation de l'artisan. Il n'y a jamais eu de grand palais, de l'opulence. C'était toujours une cité authentique, on peut dire, avec des artisans, des artistes. Et l'idée, c'était de faire du commerce et de faire fleurir cette ville. Il y avait les tireurs de sable, des tonneliers, de menuisiers, de vrais métiers qu'on retrouve encore aujourd'hui, comme des chapeliers. Ben on a deux chapelières, mais avec un style tout à fait différent, donc, et aussi des joailliers. Alors Carouge a justement su maintenir et faire perdurer ce charme. Je pense que c'est en grande partie grâce à ses habitants. C'est spontané, c'est que les gens aiment leurs endroits, aiment Carouge. On est d'abord avant carougeois, avant d'être genevois. Et il y a une attraction. Pourquoi il y a tellement d'artisans? Et pourquoi un artisan, même d'ailleurs, rêve de s'installer à Carouge? Parce qu'il y a une synergie, il y a quelque chose. On parle de l'esprit de Genève, mais je vous assure qu'il y a l'esprit de Carouge aussi. L'esprit de Carouge, ben, c'est un esprit ouvert, authentique, bon enfant, convivial, la joie de vivre, quoi.